Le film commence avec une adorable fille nommée Joo Na-ryn. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, et elle prend un taxi quelque part. Le sympathique chauffeur de taxi exprime le souhait de revenir en arrière dans le temps, allant même jusqu'à proposer d'échanger son âme pour que cela se produise. Juste avant qu'Arin ne quitte le taxi, il lui dit de profiter au maximum de son temps parce qu'on ne peut pas refaire le passé, même si on le souhaite. En entendant cela, Arin est surprise, mais elle sourit en réponse à ses paroles. Après avoir quitté le taxi, elle retrouve son ami Y Auréum. La scène se déplace ensuite vers un studio de répétition où 6 garçons se préparent pour une surprise d'anniversaire. Ces 6 garçons s'apprêtent à faire leur début en tant qu'idoles appelées Astro demain. Cependant, parce que c'est l'anniversaire de leur ami, ils prennent du temps sur leur emploi du temps chargé avec leur manager pour préparer une surprise spéciale. Ces 6 garçons Shaunwoo, MJ, Jinjin, Rocky, Moonbin et Yoon-Sang. Après avoir tout préparé pour la surprise, MJ a dit à tout le monde qu'Arin s'approchait. Alors, ils ont rapidement rangé et éteint les bougies parce qu'ils avaient peur de se faire prendre. Ils ont même éteint les lumières et se sont cachés parce qu'ils pensaient que c'était leur manager qui arrivait. Mais il s'est avéré que c'était Arin et Y Auréum, pas le manager. À ce moment-là, ils étaient assez déçus parce qu'ils n'avaient pas pu faire de surprise à Arin. Même si la surprise n'avait pas fonctionné, Arin a remercié ses amis, et ils ont tous voulu manger un peu de gâteau ensemble. Mais alors, leur manager est arrivé et les a attrapés. Et juste au moment où ils se sont fait prendre, il y a eu une forte pluie et des éclairs. Soudain, quelque chose de bizarre s'est produit, et 3 des gars ont disparu et sont retournés dans le temps. Ces 3-là étaient Shaunwoo, Jinjin et MJ. Ils se sont réveillés dans un hall d'école qui ressemblait exactement à il y a 1 an. Ils étaient vraiment perplexes quant à la raison de leur présence là-bas, surtout parce qu'ils portaient des uniformes scolaires. À ce moment-là, ils n'avaient pas réalisé qu'ils avaient voyagé dans le temps. Alors qu'ils étaient perplexes, soudainement, un professeur est venu les réprimander dans le hall de l'école. Alors, ils ont quitté précipitamment le hall. À l'extérieur de l'école, Eunwoo a mentionné qu'il avait vu une affiche où il était écrit 2013. Finalement, il a deviné qu'ils étaient d'une manière ou d'une autre retournés dans le temps, même si cela semblait faux. Mais c'est en réalité ce qui s'était passé. Peu de temps après, Y Auréum est arrivé et a réprimandé Eunwoo. Y Auréum n'a pas réalisé que Eunwoo était différent de Moonbin. Bien sûr, Eunwoo ne pouvait pas comprendre ce que Y Auréum voulait dire parce qu'elle venait du futur. Il s'est avéré qu'ils avaient voyagé dans le passé au moment où Eunwoo et Moonbin avaient eu un désaccord. Ici, ils ont réalisé que Y Auréum avec eux n'était pas du futur, mais du présent. Parce qu'ils étaient dans le passé, Eunwoo a suggéré de recommencer pour pouvoir faire leur début. En entendant cela, MJ n'était pas d'accord, disant qu'ils avaient déjà pratiqué dans le futur et qu'ils devaient simplement bien se produire à l'émission et revenir pour l'audition. Jinjin, qui adore regarder des films, a ajouté que s'ils changent le présent, cela pourrait changer le futur d'où ils venaient. Eunwoo a accepté et a dit qu'ils devraient suivre le même chemin pour s'assurer que le futur ne change pas. Alors, ils se sont dirigés vers la salle de répétition. Là-bas, Y Auréum s'est fâché contre Eunwoo pour ne pas vouloir s'excuser auprès de Moonbin. Eunwoo semblait impassible car il croyait que lui et Moonbin se réconcilieraient bientôt. Y Auréum s'est plainte qu'ils ne prennent jamais les répétitions au sérieux et que leur relation avec Moonbin se détériore. De plus, ils n'avaient pas encore terminé leur chanson. Ensuite, ils ont ignoré Y Auréum et ont pris des instruments de musique. Y Auréum a été surprise et impressionnée en entendant la merveilleuse chanson qu'ils ont jouée. Comment pouvait-il créer une si belle chanson alors qu'il n'en avait jamais eu de semblable auparavant? Il s'est avéré que cette chanson venait de leur futur. Après avoir chanté la chanson, ils ont décidé de l'utiliser pour l'audition. Au début, Jinjin était incertain car il craignait de changer le futur. Là, Eunwoo l'a rassuré en lui disant que réussir l'audition ne modifierait pas le futur. Eunwoo, qui est également compositeur de musique, a commencé à noter les notes de la chanson sur l'ordinateur. Il a travaillé tard dans la nuit sur le projet, avec Arin à ses côtés. Ensuite, une forte pluie est tombée, la foudre a frappé, et les lumières se sont éteintes. Eunwoo était un peu frustré car il n'avait pas eu l'occasion de sauvegarder le fichier. À l'heure actuelle, leur petit groupe ne compte que 4 membres. Il s'agit d'Eunwoo, MJ, Jinjin et Moonbin. Cependant, dans le futur, ils seront 6, et MJ et Jinjin se souviennent de comment Rocky et Sang-ha ont rejoint leur groupe. Sang-ha est le frère cadet de Jinjin, et MJ et Jinjin veulent que Rocky et Sang-ha rejoignent le groupe conformément au plan original pour que le futur reste le même. Dans la salle de répétition, MJ a demandé à Eunwoo s'il avait fini de copier les notes de la chanson sur l'ordinateur et a également demandé des chansons pour leur début et leurs futurs albums. Sans prévenir, Eunwoo s'est vraiment énervé contre MJ. Jinjin et MJ ont été surpris par ce changement soudain de comportement chez Eunwoo. Ils ont vite compris que l'Eunwoo du futur avait disparu, et l'Eunwoo présent était le véritable. Alors qu'ils mangeaient ensemble, MJ et Jinjin,
curieux, ont directement demandé à Eunwoo si quelque chose d'inhabituel lui était arrivé la nuit précédente, comme être frappé par la foudre ou quelque chose du genre. Eunwoo s'est agacé parce qu'il posait des questions étranges comme ça. Peu de temps après, Eunwoo et Yoreum sont partis, et alors MJ a commencé à agir étrangement, comme s'il avait lui aussi changé. Ensuite, ils sont allés voir Sang à se produire quelque part, et après la performance, ils ont invité Sang à rejoindre leur groupe. Sang a immédiatement accepté sans hésiter. Le processus de l'adhésion de Sang au groupe s'est déroulé comme il se devait. La scène nous conduit maintenant chez Arin, où elle voit son frère, qui est actuellement au chômage, assis et regardant du football. Là, il invite Arin à regarder avec lui, mais elle décline parce qu'elle sait déjà quelle équipe va gagner. Il semble qu'Arin puisse avoir quelques connaissances sur le futur. Ensuite, Eunwoo et Moonbin se disputent. Ils répétaient avec les deux autres à l'école quand un élève de classe supérieure est soudainement venu les réprimander. L'élève de classe supérieure était contrarié parce qu'ils utilisaient la salle de répétition sans sa permission. Il s'est avéré que cet élève de classe supérieure avait également une équipe qui se produisait au festival. Comme il continuait à se faire réprimander, en particulier parce que la salle de répétition était partagée, Moonbin a perdu son sang-froid et s'est disputé avec l'élève de classe supérieure. Pendant ce temps, il y a eu un peu de bagarre. Eunwoo était aussi agacé par l'aîné, mais il ne voulait pas causer de problème. Donc, il a réprimandé Moonbin pour ne pas être patient. Moonbin ne comprenait pas pourquoi Eunwoo ne le soutenait pas, même s'il était en colère parce qu'il défendait leur équipe. À cause de cette dispute, Eunwoo a fini par exclure Moonbin de l'équipe. Le soir, Arin a rencontré Moonbin et lui a demandé de se réconcilier avec Eunwoo pour qu'ils puissent reprendre l'entraînement ensemble. Il s'avère qu'Arin n'est pas seulement la meilleure amie de Moonbin, mais aussi son amie d'enfance, et il a des sentiments pour elle. Malgré cela, Moonbin a refusé la demande d'Arin car il était devenu paresseux avec Eunwoo. Le lendemain, MJ et Jinjin se sont souvenus de la suite de l'histoire. Il s'est avéré que le plan du jour était qu'Arin rencontre Eunwoo et le persuade. MJ et Jinjin étaient soulagés car cela signifiait que Eunwoo et Moonbin finiraient par se réconcilier. Ils étaient inquiets car l'Eunwoo actuel était le vrai, très respecté. Ils craignaient que l'avenir puisse changer et que Eunwoo ne s'excuse pas auprès de Moonbin. Malheureusement, Yoreum a entendu Eunwoo dire qu'il ne voulait pas s'excuser auprès de Moonbin et elle en était très contrariée. Yoreum s'est précipité pour rencontrer Eunwoo, qui était censé parler à Arin. À cause de cela, l'intrigue a changé car cela devait être simplement Arin et Eunwoo qui parlaient aujourd'hui, mais l'interférence de Yoreum a tout perturbé. Cela signifie que maintenant, personne ne peut être sûr de la manière dont l'avenir se déroulera. D'autre part, Moonbin avait des problèmes avec des voyous de rue. Mais heureusement, son ami Rocky est venu à sa rescousse. Il s'est avéré que Moonbin s'entraînait dans la rue depuis qu'il avait quitté leur groupe. Ensuite, il a rencontré Rocky, qui va également à leur lycée, mais il est un an plus jeune. Ils s'entraînent beaucoup ensemble et deviennent très proches, comme des frères. Un jour, sur suggestion d'Arin, MJ et Jinjin se sont rendus là où Rocky traînait avec de grosses enceintes et ont défié Rocky à une bataille de rap. Et ce fut une incroyable bataille de rap. Moonbin, qui regardait, était ravi. Jinjin invite alors Rocky à rejoindre leur groupe, mais quand Moonbin entend cela, il se tait. Alors, Arin invite Moonbin à discuter, et il parle joyeusement de la manière impressionnante de Rocky. Rocky est un gars plutôt calme qui évite les ennuis, et c'est assez drôle de voir comment il retient ses émotions lorsqu'il y a un problème. Arin mentionne ensuite que la personnalité de Rocky ressemble à celle d'Eunwoo. À ce moment-là, Moonbin était d'accord avec Rocky, mais il ne voulait plus parler d'Eunwoo quand il a entendu cela. Son expression a changé, et il a quitté Arin. Pendant ce temps, comme Arin avait deviné juste, son frère lui demande de prédire le gagnant du prochain match de football parce qu'il veut parier sur sa prédiction. Mais Arin admet qu'elle devine seulement et ne sait vraiment pas qui va gagner. À l'école, MJ essaie de parler à Jinjin de ce qui s'est passé, mais quelque chose d'étrange se produit. Jinjin semble différent et ne se souvient de rien à propos du futur. MJ a d'abord pensé que c'était une blague, mais il s'est avéré que le Jinjin du futur avait disparu, et le Jinjin du présent était là. Maintenant, seul MJ reste du futur. Pendant ce temps, Eunwoo s'entraîne seul au piano à l'école quand un élève de classe supérieure s'approche et le taquine. L'aîné a de la peine pour Eunwoo, dont l'équipe s'est séparée. Il mentionne également qu'un seul étudiant de leur école continuera l'audition. Donc, l'équipe d'Eunwoo doit gagner au festival s'ils veulent avancer. Impressionné par le talent d'Eunwoo, l'aîné lui demande de rejoindre leur équipe et de s'entraîner ensemble à l'école ce soir-là s'il est intéressé. Le soir, MJ essaie d'expliquer ce qui s'est passé à Jinjin. Il lui dit que les trois d'entre eux viennent du futur. Mais Eunwoo, qui a perdu sa mémoire, pense que MJ plaisante simplement. Peu de temps après, Yoreum et Arin sont apparus, se demandant pourquoi Eunwoo n'était pas venu pour leur séance d'entraînement prévue pour ce soir-là. Il s'est avéré qu'Eunwoo était en réalité venu à l'école et avait décidé de rejoindre les élèves plus âgés.
Puisqu'Emji était désormais seul, il a demandé de l'aide à Arin. Il voulait qu'elle parle à Moonbin et essaie de le persuader, car Moonbin était très proche d'Arin. Emji savait qu'il ne pouvait plus rien attendre de Jinjin. Parfois, Emji mentionnait accidentellement des choses du futur, ce qui surprenait Arin. D'autre part, Moonbin et Rocky ont eu un accrochage avec des voyous de rue. Les voyous ont essayé de les provoquer, et cela a dégénéré en une bagarre à points. Arin et Emji ont eu la chance d'être témoins de cela et se sont précipités pour aider. Là, Emji a rassemblé son courage mais a fini par présenter ses excuses à la place. Pendant ce temps, Arin a essayé d'appeler leurs amis en renfort. De retour à l'école, Eunwoo semblait distrait pendant l'entraînement. Il ne voulait pas vraiment rejoindre les élèves plus âgés et se sentait coupable de trahir ses amis. Mais il avait l'impression de ne pas avoir d'autre choix car il voulait devenir une idole. Ensuite, Arin l'a appelé et lui a dit que Moonbin et les autres étaient en danger, et il avait vraiment envie d'aider. Cependant, sa réputation était en jeu, alors il a décidé d'ignorer l'appel. Pendant l'entraînement, l'aîné s'est vraiment énervé parce qu'Eunwoo était dans la lune. Eunwoo a enfin réalisé qu'il avait fait le mauvais choix et a insulté la chanson de l'aîné, disant qu'elle sonnait terriblement. Ensuite, il a décidé de quitter l'équipe et s'est précipité pour aider ses amis dans la bagarre. Malheureusement, Eunwoo est arrivé trop tard pour faire une différence. Au commissariat de police, Yoreum s'inquiétait pour le visage meurtri de Moonbin parce qu'elle l'aime et espère le voir devenir une idole un jour. Peu de temps après, Eunwoo est arrivé et s'est proposé d'être leur tuteur pour qu'ils puissent être libérés du commissariat. Il a également présenté ses excuses à Moonbin et lui a demandé de revenir dans l'équipe. Moonbin l'a pardonné, et maintenant ils sont de retour ensemble. Le groupe de garçons Astro est désormais complet avec tous ses membres. À la maison, Arin ne pouvait pas arrêter de penser à ce que MJ avait dit. Elle était méfiante et pensait que peut-être MJ venait aussi du futur. Il s'avère qu'Arin elle-même vient également du futur. Tout en réfléchissant à cela, son frère est venu lui demander de prédire quelle équipe de football gagnerait. Arin lui a dit qu'elle ne savait pas, mais quand son frère lui a promis de trouver un travail si elle devinait correctement, elle lui a donné une réponse, espérant qu'il ne devienne pas à nouveau chômeur. À l'école, Yoreum est ravi que Moonbin soit revenu. Ensuite, Emji taquine Yoreum de manière ludique parce que dans le futur, elle sera sa petite amie. Il ne lui en veut pas d'avoir actuellement le béguin pour Moonbin car dans le futur, elle sortira avec Moonbin. Peu après, Eunwoo commence à jouer la chanson qu'il prévoit d'utiliser au festival. Mais alors, Emji fait remarquer que ce n'est pas la bonne chanson qu'il devrait utiliser. Il révèle accidentellement qu'Eunwoo voulait utiliser cette chanson dans le futur. Cela rend Arin encore plus méfiante quant au fait que Emji pourrait vraiment venir du futur. Alors, elle invite Emji à discuter. Emji avoue ensuite tout à Arin. Enfin, Arin admet qu'elle vient aussi du futur. Jusqu'à présent, elle pensait être la seule à avoir voyagé dans le temps. Elle mentionne que Eunwoo a changé après un orage une nuit, et Jinjin pourrait aussi changer quand il pleuvra et tonnera à nouveau. Ils réalisent tous les deux que la pluie et la foudre sont responsables de leur voyage dans le temps. Arin est allée et revenue trois fois du futur au passé. La première fois, elle est retournée au moment où elle avait rencontré Eunwoo et ses amis pour la première fois, mais elle pensait que c'était juste un rêve. La deuxième fois, elle a réalisé que ce n'était pas un rêve mais ne savait pas quoi faire. Maintenant, c'est la troisième fois, et Arin demande de l'aide à MJ. Le lendemain, ils se sont tous réunis pour se préparer à leur performance. Encore une fois, MJ a mentionné que la chanson qu'il prévoyait de jouer n'était pas la bonne. Jinjin l'a rapidement taquiné pour parler toujours du futur. Ensuite, ils ont tous chanté ensemble. Leurs belles voix ont attiré une foule d'étudiants, y compris les élèves plus âgés. Voir Eunwoo et ses amis se réunir a réchauffé leur cœur. L'aîné s'est entraîné dur parce qu'il était inquiet de la concurrence. Malheureusement, les autres membres ne prenaient pas l'entraînement au sérieux, ce qui a irrité l'aîné et l'a poussé à les renvoyer. Peu après, Arin et MJ se sont rendus à la salle de répétition, où Arin avait demandé de l'aide pour que MJ puisse retourner dans le futur. Elle voulait que les choses se passent bien dans le présent et ne changent pas l'avenir. Elle voulait aussi rattraper le futur le plus rapidement possible. Lorsque la foudre a frappé, il s'est avéré qu'Arin était celle transportée dans le futur. Elle s'est réveillée devant la salle de concert, une heure avant les débuts d'Astro. À ce moment-là, Yoreum l'a invitée à l'intérieur car le public avait déjà été autorisé à entrer. Puisqu'Arin et Yoreum étaient amis d'Astro, MJ est venu les chercher pour les emmener dans les coulisses. Dans les coulisses, Arin était aux anges car Astro faisait enfin ses débuts. Cependant, en route vers les coulisses, elle a soudainement perdu connaissance. Il s'est avéré qu'elle était retournée dans le passé. Elle s'est réveillée dans la salle de classe, et parce que ce futur avait été si bref, elle pensait que tout n'était qu'un rêve. À ce moment-là, Yoreum a rapidement amené Arin à la salle de répétition car il y avait un problème avec Eunwoo et ses amis. En chemin, Arin est tombé sur MJ, qui lui a demandé ce qui s'était passé la veille. MJ semblait perplexe,
ce qui a fait penser à Arin que MJ était retourné avec succès dans le futur et que ce qu'elle avait vécu plus tôt n'était qu'un rêve. Sans qu'Arin le sache, MJ riait en fait derrière son dos parce qu'il faisait semblant. Il n'avait pas réussi à retourner dans le futur, et ce qu'Arin avait vu était bien réel, pas un rêve. À l'intérieur de la salle de répétition, Eunwoo a expliqué le problème. Il s'est avéré que leur chanson soumise avait été accusée d'être copiée d'une autre. Même si leur professeur savait que leur chanson était originale et créée à partir de rien, un élève de classe supérieure avait soumis exactement la même chanson en premier et l'avait revendiquée comme la sienne. Cela signifiait que leur chanson ne pouvait pas être considérée pour le festival. Yoreum était vraiment contrarié, surtout en sachant à quel point Eunwoo avait travaillé dur sur la chanson. Avec la performance qui approchait rapidement, il était impossible de créer une nouvelle chanson à temps. MJ a une fois de plus suggéré que la chanson qu'ils avaient n'était pas la bonne. Naturellement, les autres se sont moqués de lui encore une fois à propos de sa connaissance du futur. D'un autre côté, Arin comprend maintenant que MJ n'a pas réussi à retourner dans le futur et qu'il plaisante juste. MJ s'est excusé auprès d'Arin et a admis qu'il plaisantait. Il a ensuite mentionné que dans le futur, Eunwoo avait voulu utiliser l'une des chansons de leur album pour le festival. Cela a déclenché le souvenir d'Arin des moments juste avant le retour d'Eunwoo. Il s'est avéré que cette nuit-là, Eunwoo était occupé à copier les notes de musique sur l'ordinateur. Peu de temps après, MJ et Arin sont allés à la salle de répétition et ont vérifié le fichier sur lequel Eunwoo avait travaillé ce jour-là. Malheureusement, le fichier n'avait pas été enregistré en raison d'une panne de courant. Mais Arin a examiné la fonction d'enregistrement automatique de l'ordinateur et a découvert que 80% de la progression de la chanson était toujours là. Pendant ce temps, un élève de classe supérieure est venu taquiner Eunwoo. Il s'est vanté d'avoir transformé son équipe en fille mignonne et s'est montré confiant quant à sa victoire au festival. Un Eunwoo agacé lui a demandé s'il était fier de voler le travail des autres. Étonnamment, l'aîné a dit qu'il était très reconnaissant. Il s'est ensuite dirigé vers la salle de répétition pour entraîner son équipe de filles. Certains élèves qui ont entendu la conversation ont réalisé que la chanson d'Eunwoo et de ses amis avait été volée. Ils ont eu de la peine pour Eunwoo, malgré ses efforts et ses luttes. MJ et Arin ont ensuite partagé la chanson du futur avec leurs amis. Eunwoo ne pouvait pas croire qu'une si belle chanson était de sa création, et il ne se souvenait même pas l'avoir faite. Arin a décidé de révéler la vérité sur leur voyage depuis le futur, même si c'était difficile à croire. La preuve était là, sous la forme de cette chanson du futur. MJ a mentionné qu'ils pourraient aussi perdre leurs souvenirs du futur, comme ce qui est arrivé à Eunwoo et Jinjin. Yoreum était un peu contrarié que personne ne lui ait dit quelque chose d'aussi important plus tôt. MJ s'est un peu frustré et a dit qu'il le répétait tous les jours, mais tout le monde pensait qu'il plaisantait. Ensuite, ils ont tous ri de ça. Peu après, Moonbin a demandé si l'histoire du futur concernant les aînés volant leurs chansons était vraie. Arin a dit que ça ne devrait pas être comme ça car toute l'intrigue avait changé. MJ a admis que c'était de sa faute, car il avait dit quelque chose qui avait fait comprendre à Yoreum de travers. À cause de ce malentendu, Yoreum est venu dans la salle de répétition en colère. En réalité, tout ce qui était censé se passer était le moment où Arin persuadait Eunwoo. Mais les choses ont dérapé à cause de cette nouvelle chanson créée par Eunwoo dans le futur, une chanson qui donnait maintenant à Eunwoo l'espoir qu'il pouvait la terminer. Après cela, Arin et Moonbin marchaient ensemble, et Moonbin a demandé ce que l'avenir leur réservait, s'ils allaient sortir ensemble. Arin a souri et lui a dit que leur relation resterait la même, simplement des amis. Cela a laissé Moonbin légèrement déçu, car il avait prévu de lui avouer ses sentiments quand il aurait 20 ans. Arin a ajouté que dans le futur, Moonbin ne lui avouerait pas ses sentiments. À la place, quelqu'un d'autre lui avouerait, et c'était Yoreum. Cette révélation a laissé Moonbin perplexe. En achetant de la nourriture, Yoreum a demandé à Arin comment cela faisait de venir du futur. Arin a expliqué qu'au début, elle était confuse. Dans le futur, elle se demandait souvent pourquoi les choses se passaient de telle manière et regrettait ses décisions. Mais en revenant dans le passé, elle a réalisé que ses choix n'étaient pas des erreurs car ils faisaient tous partie du plan. Revenir dans le passé l'a aidé à comprendre pourquoi certaines choses devaient se produire. Yoreum s'est ensuite excusé d'être l'ami d'Arin quand elle a découvert que Moonbin aimait Arin. Arin a promis d'aider Yoreum à conquérir son amour et de s'assurer qu'elle n'en regretterait pas. Cela a révélé que ce qu'Arin avait dit à Moonbin plus tôt était en réalité son espoir pour l'avenir, qui était d'aider Yoreum à gagner l'amour de Moonbin. Avec l'aide de MJ, Eunwoo a travaillé à achever la chanson. MJ était un peu confus car il avait oublié les paroles qu'il avait chantées dans le futur. Arin a fredonné pour aider MJ à se souvenir, mais il s'est avéré que Eunwoo était celui qui a immédiatement trouvé les paroles. Les paroles étaient magnifiques, et ils ont réussi à terminer la chanson. Ils ont répété ensemble, emplis de bonheur. Le jour du festival, le groupe de filles aînées a performé en premier. En coulisses, Eunwoo et ses amis étaient un peu nerveux, même s'ils étaient confiants qu'ils allaient gagner avec leur performance. Pendant qu'ils se préparaient,
Enji a soudainement ressenti quelque chose d'étrange à propos de lui-même. Eunwoo et ses amis sont montés sur scène et ont livré leur meilleure performance. Arin a enregistré leur spectacle et l'a téléchargé sur YouTube. Dès que le téléchargement a atteint 100%, Arin s'est endormi. Il pleuvait, et il y avait de la foudre dehors. Un matin, Arin s'est réveillé de son sommeil et s'est rendu compte qu'elle était retournée dans le futur. C'était le jour où le groupe de garçons astro allait faire ses débuts. À ce moment-là, Arin s'est précipité, et elle a eu la chance de voir son frère tout propre. Il s'est avéré que son frère avait trouvé un emploi, comme il l'avait promis. Arin était ravi car son frère n'était plus au chômage. En se rendant à la salle de concert, Arin a pris le même taxi qu'au début de l'histoire. En coulisses, Enji a commencé à agir étrangement, et il s'est avéré qu'il venait de revenir du passé. Il était assez confus par la situation et se demandait même si tout ce qui s'était passé jusqu'à présent n'était qu'un rêve car ses amis ne se souvenaient pas d'être retournés dans le temps. Enji a ensuite rassemblé Arin et Yoréum pour se rendre en coulisses. Il voulait exprimer sa joie qu'Astro ait enfin pu faire ses débuts. Même si le passé avait changé un peu, à la fin, le groupe de garçons Astro a quand même réussi à faire ses débuts dans le futur. Dans le futur précédent, Yoréum sortait avec Enji, mais dans la situation actuelle, elle sortait avec Moonbin. Ce changement a été orchestré par Arin, qui voulait rapprocher Yoréum et Moonbin. Cette nouvelle a surpris Enji car il se souvenait que Yoréum était sa petite amie. Enji a alors mentionné qu'il avait pensé que c'était inutile d'approcher Yoréum dans le rêve. Mais Arin l'a rassuré en disant que rien n'est inutile pour ceux qui se préparent pour l'avenir. En entendant cela, Enji a réalisé que tout était réel et non un rêve. Il avait été triste de ne pas sortir avec Yoréum, mais maintenant il était joyeux et heureux car il avait vécu quelque chose d'extraordinaire. Arin a ajouté que les rêves sont souvent plus beaux qu'on ne peut l'imaginer. Enfin, le groupe de garçons astro a fait ses débuts. Et le film se termine. La leçon morale de ce film est que si vous avez besoin d'une machine à remonter le temps, restez simplement sous un orage car vous pourriez voyager dans le passé ou le futur. N'oubliez juste pas de prendre un parapluie, parce que, vous savez, la sécurité d'abord.